il n'y a pas longtemps, le bras droit de Dieudonné qui lui sert de garde du corps, qui a un frère que je respecte, avec qui j'ai marché pour Dieudonné. Quand c'était chaud, j'étais dans le théâtre de Dieudonné. Je faisais sa sécurité avec mon équipe. En quelle année? En 2004, là, 2007. Quand ça a commencé, les... Quand ça a commencé. Et depuis, tu t'es dit, je te disais que le Front National est arrivé et tout ça, nous, on n'a pas accepté. Il n'y a pas longtemps, 2011, son gars m'appelle. Il me dit, Joe, ça fait longtemps que tu n'es pas passé nous voir. Passe nous voir, regarder le spectacle, le nouveau spectacle de Dieudonné. J'ai pris ma fille, qui aime beaucoup Dieudonné, puisque beaucoup de gens du quartier l'aiment beaucoup. J'ai dit, on va voir Dieudonné. Elle a dit, ah, tu le connais? J'ai dit, oui. J'ai appelé des anciens dragons. On est parti chez Dieudonné pour regarder le spectacle, mais pour faire plaisir au mien, ouais, qui l'aime bien. Moi qui rentrais dans la salle, qui sécurisais Dieudonné, j'arrive, on me dit, attends que tous les invités, tout le monde rentre. Je suis venu à l'heure. Comme tu m'as invité aujourd'hui, ouais, j'étais à l'heure. Et pourtant, je suis invité. Donc, tout le monde rentre. Et l'ami, là, il vient me dire, il n'y a plus de place, Joe. Je lui dis, mec, comment ça, il n'y a plus de place? Je suis arrivé avant les gens. Même dans les escaliers, je peux m'asseoir. Mais comment ça se fait que tu fais rentrer tout le monde? Non, alors que tu avais invité. Alors que tu m'as invité et tu me dis qu'il n'y a plus de place. Je suis l'asbin, je suis ton pigeon. Quand tu as besoin de moi, tu m'envoies des graines. Et dès que tu n'as plus besoin, tu me fais venir pour que... Pourquoi tu m'as fait venir d'ailleurs? J'en ai rien à foutre de son spectacle. Je lui dis, ça ne va pas se passer comme ça. Non, la prochaine fois, je ne suis pas un enfant. Donc je suis rentré dans le spectacle. En plein spectacle, j'ai arrêté le spectacle. C'est... Et j'ai dit, c'est pas normal. Il fut un temps, on était auprès de toi. On était prêt à mourir pour toi. Aujourd'hui, comment ça se fait que tu ne nous le rends pas? Et tu dis que tu es pour la cause des Blacks. Moi, je représente Black Dragon, le combat même. Je vois pas de Black dans ton spectacle. Il y en a qu'un. J'en vois qu'un. C'est normal. Et lui, il a répondu quoi par rapport à ça? Il a pris avec l'humour. Il a dit, je te vois pas. Il me dit, parce que quand même, je suis dans le noir. T'as vu? Comme je suis dans le noir, il dit, t'es où? Je te vois pas. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, en sortant, j'ai mis KO le garde du corps. Ah, c'est vraiment. Parce qu'il fallait que je me soulage. Mais lui, il avait rien à voir peut-être dans cette histoire. Si, il s'est mis comme un mur devant moi. Il voulait encore me donner des explications ou peut-être faire sa technique de jiu-jitsu ou de brésilien qu'il vient d'apprendre. Moi, je suis un dragon. Je sortais de la salle, j'ai vu un mur en face et il fallait que je détruise ce mur d'injustice. Ah ouais. Pour moi, c'est encore un mur d'injustice. Manque de reconnaissance. Et ce qui est important que tu sors ce truc. Pour dire comment Dieudonné a voulu me salir. Il a voulu me stigmatiser, me caricaturer. Enfin, je dis Dieudonné, mais je parle de son staff. J'ai dit, bon, ok, vous m'avez invité. Vous m'avez injurié quelque part. Vous m'avez traité plus bactère. Je vous ai répondu quand même. Tu vois? En tant qu'homme, vous êtes toute une force, soi-disant. Maintenant, vous jouez une réparation pour mes lunettes. Ils ont dit non. Je suis manipulé par les sionistes. Ils ont voulu faire passer sur le Dieu, c'est grave là, ce que tu dis quand même. Tu vois, ils ont commencé à passer ce bruit-là dans les mosquées pour dire Joe Dalton est manipulé par les sionistes. Les gars des mosquées avec qui j'ai grandi dans des Grigny, la Grande Borne et tout ça,
Ils ont dit, écoutez-moi bien. Il faut laisser tranquille notre frère, Joe Dalton, notre ancien. Parce que s'ils donnent l'ordre, c'est nous qui allons venir vous voir. Tu sais, je veux dire un truc, je condamne les Américains, je condamne l'Arabie Saoudite. Les mecs qui jouent dans les grosses Cadillacs, ils sont sur des pétroles. Ils ont la Mecque, ils ont le truc, et ils ont des esclaves. Moi, je vais dans tous les quartiers. J'écoute, je regarde les Renois et je suis mort de rire. À part être mis à l'amende par d'autres, c'est la seule chose que les Noirs savent faire. Et la seule chose que j'ai dit, moi, c'est que les Noirs sont mis à l'amende par une autre race. Il n'y a qu'à vérifier dans n'importe quel quartier, on verra si je mens ou si je mens pas. Moi, je suis un Noir, fier de l'être. Si tout le reste des Noirs, c'est des putes, c'est pas mon problème.